Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus de royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, le prisonnier rejeté. Foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les trésors, les hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, réprisé, rejeté, délivré, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, épuisé, rejeté, délivré, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lever nos voix, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là 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 là. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, maman Marie-Jeanne. Bonsoir, maman Alpha. Bonsoir, bonsoir, papa François. Bonsoir, maman Laurel. Bonsoir. Maman Marika, bonsoir, bonsoir. Oh, maman Janine, elle est là, elle est au travail, celle-là, mais elle dit que non, je vais quand même prier, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bien-aimée, maman Espérance, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimée, que nous puissions encore nous retrouver ce soir pour prier. C'est un véritable, un réel plaisir. Et un véritable privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir de nous tenir dans sa présence. Nous allons élever nos voix, nous allons lui dire merci bien-aimé pour l'œuvre de la croix. Jésus a accepté, n'est-ce pas bien-aimé, d'être crucifié à la croix pour que nous puissions véritablement bien-aimé bénéficier de toute cette grâce, de toute cette faveur. Élevons nos voix,
Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé, pour l'œuvre de la croix. Élevons nos voix, bien-aimé, bénissons le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la croix. Merci, grand roi de l'univers, pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a été versé à Golgotha, pour le sang de la nouvelle alliance, pour le sang de la grâce, pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel, celui d'Abel. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu restes le seul, unique, le véritable. C'est lui sur qui nous comptons. Nous comptons sur toi et nous dépendons de toi. Notre Seigneur et notre Dieu, nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Toi qui es l'auteur de nos vies, nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance, les dieux de la vie. Les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de paix. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu. La grâce de t'appartenir, la grâce de te connaître, la grâce de ton service. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Merci éternel et Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi les grands rois. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Inonde nos vies, grand roi de l'univers. Inonde nos vies, inonde nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Merci éternel et Dieu Tout-Puissant pour ta fidélité. Merci grand roi de l'univers pour ta victoire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te rendons gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous te bénissons notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton plan merveilleux, merci Seigneur pour ta victoire, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta bienveillance, merci Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha, merci Seigneur pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Merci Seigneur pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Inonde nos vies, remplis nos vies de ta vie. Remplis nos vies de ta présence. Nous te bénissons éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Oh robo yandaba, rakaba yoko robo shikababa. Oh robo yakaraba yoko robo shikababa. Rakandaraba koraba yoko robo shikababa. Oh robo yakaraba yoko robo shikababa. Oh notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci d'étendre nos vies. Alléluia. D'amener sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Saint-Esprit. Demandez, n'est-ce pas, bien-aimés, que le feu du Saint-Esprit embrase. Bien-aimés dans le Seigneur, nous embrase et consume en nous ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Et proclamons trois fois, alléluia, le feu du Saint-Esprit, un, deux, trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, alléluia, éternel notre Dieu, nous invoquons ton feu ce soir, que le feu du Saint-Esprit vienne embraser nos vies, que le feu du Saint-Esprit, tendre Père, embrase ce qui n'est pas de Dieu en nous, au nom puissant de Jésus, ton feu Seigneur, ton feu Seigneur, ton feu Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de vos rangs, le
feu du Saint-Esprit. Nous te bénissons, éternel et Dieu tout-puissant, pour l'œuvre de la croix. Que ton feu embrase en moi ce qui n'est pas de Dieu. Que ton feu embrase en moi ce qui n'est pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu tout-puissant, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom éternel et Dieu tout-puissant. Et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons ce soir, particulièrement, n'est-ce pas, bien-aimé, prier pour briser, n'est-ce pas, bien-aimé, les alliances à travers les accusations, ou briser, bien-aimé, dans le Seigneur, les accusations à travers les alliances. briser les accusations à travers les alliances. Hein? Donc, c'est important, tout ça parce que, bien-aimé, Satan, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est un accusateur, tel qu'il est écrit dans Apocalypse 12, le verset 10. Satan est l'accusateur. Il est celui, bien-aimé, qui est l'accusateur de nos frères. Il est celui qui nous accuse jour et nuit. N'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? La Bible nous dit, il fut précipité le grand dragon. Apocalypse 12, le verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien-aimé, oh là 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 là, c'est terrible, hein? Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusation, bien-aimé dans le Seigneur, est faite par Satan le diable à cause, bien-aimé, du fait que nous brisons l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dès lors qu'on brise l'alliance, dès lors qu'on est à l'encontre d'une des clauses de l'alliance, c'est là que Satan se tourne vers Dieu pour lui dire, regarde, les clauses de l'alliance sont brisées, ils n'ont pas droit à la protection. Rappelez-vous bien aimé de l'histoire de Job. Satan cherchait à tout prix à détruire la vie de Job. N'oubliez pas une chose. C'est que dans tout ce que, si vous lisez très bien, dans Genèse 1 et 3, 1 jusqu'à 4, où est Satan attaqué à Ève, tout simplement parce que ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Ils étaient, bien aimé, dans une relation parfaite, une relation d'amour, une relation de paix, une relation de confiance. Et Satan est venu injecter les doutes dans la pensée. Et dès lors que les doutes s'étaient installés, bien-aimés, les doutes, bien-aimés, a bousculé la foi. Les doutes a amené l'incrédulité. L'incrédulité a poussé à la désobéissance. Et la désobéissance a ouvert la porte à la mort. L'alliance entre Dieu et Adam a été brisée. L'alliance, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez, c'est la Bible, c'est pourquoi on dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Satan, bien aimé, c'est un calomniateur. Pourquoi? Parce qu'il calomnie Dieu devant les hommes. Genèse 3, bien aimé dans le Seigneur. Il calomnie les hommes devant Dieu. Job 1, le verset 9. Job 2, le verset 4. Ça, c'est les calomniateurs. Un accusateur. Le diable accuse Israël à travers Josué, le souverain sacrificateur. Dans Zacharie 3, le verset 1 et 4. Le diable, bien-aimé, c'est l'accusateur de nos frères. Il peut avoir raison d'accuser. Mais il peut aussi calomnier. C'est le fait de vouloir ternir l'honneur, la réputation de quelqu'un.
Il veut ternir l'honneur, la réputation de Dieu auprès d'Adam et Ève. Dieu sait que vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas accordé ces privilèges-là? Dieu n'est pas gentil. Il serait gentil, vous aurez donné ce privilège que vous soyez comme lui, mais ce n'est pas possible. Voyez, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Calomniateur, accusateur, c'est Satan le diable. Et Satan peut passer au travers les gens pour pousser les gens à être des calomniateurs, à être des accusateurs. C'est pourquoi il faut toujours, bien dans le Seigneur, faire très attention. Pour ne pas être un accusateur, accuser quelqu'un. C'est-à-dire que reprocher, bien aimé, quelqu'un. Ou, n'est-ce pas, faire toute une imputation, bien aimé, dans le Seigneur, à une personne, de quelque faute, de quelque défaut que ça soit. Ou attaquer quelqu'un, mesdames et messieurs, calomnier quelqu'un, condamner quelqu'un, critiquer quelqu'un, insinuer quelqu'un, faire de la médisance, entrer dans les rumeurs. Il faut faire attention. Donc, généralement, le plaignant et l'accusé comparaissent en personne. Voyez avec Josué, le souverain sacrificateur béni dans le Seigneur. Il était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'était là à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, choisi. N'est-ce pas là, ils t'ont arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il s'était debout devant l'ange. Donc, selon l'Alliance, il ne pouvait pas être sale devant Dieu. Il couvrait, n'est-ce pas, bien aimé, les péchés d'Israël. C'était pas bon. Quelles sont les raisons de l'accusation venue du Seigneur? Parfois, les raisons sont cachées. Les raisons de l'accusation relèvent parfois d'un certain mystère. Mais, même si les raisons peuvent paraître un peu mystérieuses, mais bien évidemment, le Seigneur, les effets sont permanents. Pourquoi Satan accuse? Amener, faire perdre les ailes. Tu servais Dieu, tu étais attaché à Dieu. Et puis tu apprends des calomnies. On dit que voilà, le pasteur a dit ça, ou telle personne a pensé ça, la femme du pasteur, le diacre tel, la diaconesse tel, tel responsable de ministère, elle a dit ça, telle personne, ou cette personne que j'ai toujours appréciée, qui prie bien, mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Ça m'a déçu. Bien aimé, on te fait perdre les ailes. Les ailes, tu perds les ailes. Les exécutions, bien aimé, sont faites, n'est-ce pas, bien aimé, pour, n'est-ce pas, bien aimé, couvrir quelqu'un de honte. Tu sens la honte parce qu'on t'a accusé de ceci ou de cela. Il y a une certaine opprobre qui pèse sur toi, bien aimé, dans le Seigneur. Les exécutions, bien aimé, sont faites, n'est-ce pas, pour amener quelqu'un à se séparer, à la séparation avec Dieu. Ou même, ça se sépare avec les gens. Combien de couples ne se séparent pas à cause des accusations, à cause de la calomnie, à cause des accusations? Il y a des couples qui se séparent. On m'a accusé ceci, tes parents, mes parents, tes beaux-parents, on m'a accusé cela, telle personne, les amis sont intervenus, bien aimés, et les gens se séparent. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas été faits l'un pour l'autre, mais à cause des calomnies au milieu, les gens se séparent. Faut faire attention, bien aimé, dans le Seigneur. Les accusations, bien aimé, brisent certaines alliances. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, nous avons les paroles de l'alliance. Dans l'alliance, bien aimé, nous avons la durée de l'alliance. Nous avons le sceau de l'alliance. Nous avons, bien aimé, le sang de l'alliance. Tout en sachant que l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance, c'est cet agrément qui est exprimé par des paroles verbales ou des paroles écrites. Les paroles, bien aimé, d'une alliance expriment, n'est-ce pas, des promesses de l'alliance. Les paroles, bien aimé, expriment les termes de l'alliance, expriment les possibilités, n'est-ce pas, bien aimé, d'un vœu ou d'un vœu, d'un serment.
Et donc, dans les paroles de l'Alliance bénie de le Seigneur, les personnes qui s'engagent dans une alliance doivent le manifester par des promesses. Vous voyez, quand les gens se marient, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une promesse. Et dès lors, bienvenue dans le Seigneur, que les gens qui ont dit jusqu'à ce que la mort nous sépare et l'alliance est brisée, bienvenue dans le Seigneur, ils sont victimes des accusations permanentes, jour et nuit. Les démons, Satan, le diable, va devant Dieu, non, ils n'ont pas droit, regarde, ils ont brisé l'alliance, ils ont déclaré ses paroles, ils n'ont pas respecté les paroles. C'est là qu'interviennent les accusations. Dans le monde spirituel, dans le monde occulte, nous sommes sujets à des attaques sur le plan spirituel. Parce qu'on nous accuse. Écoutez bien, Satan accusait Josué devant Dieu, il porte un vêtement sale. Et dès lors qu'on brise une alliance quelque part, où Dieu a été témoin, Satan a été témoin, les anges étaient là, les démons étaient là, les hommes étaient là. Dès lors que les clous de cette alliance sont brisés, eh bien, nous devenons victimes des accusations. Dans le monde spirituel, dans le monde occulte. Ça peut paraître un peu banal, hein? Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, lorsqu'on s'engage dans une alliance, ça se manifeste par des promesses. Promesses de bénédiction, promesses de malédiction, promesses qui peuvent être naturelles, des promesses qui sont faites dans le temps et dans la durée, des promesses qui sont spirituelles et éternelles. Il y a des promesses qui sont temporelles. Il y a des promesses qui sont, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, spirituelles et éternelles. Quand quelqu'un dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je peux vous dire, c'est pas bien, ça, ce sont des choses qui sont terribles. Pour lesquelles nous devons bien aimer prier. Pourquoi? Parce que les conditions sous lesquelles sont accomplies, bien dans le Seigneur, les promesses faites par les alliés, n'est-ce pas? Donc, un serment, bien-aimé, attaché à l'alliance, le rend irrévocable. Je dis bien, un serment attaché à l'alliance rend le serment irrévocable. Irrévocable. Ce qu'on déclare. C'est grave. Hein? Pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Parce que nous sommes dans un monde d'alliance. Tu vas prendre un prêt à une banque, on va te dire signer un document. Tu signes un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat. Dès lors que ce contrat n'est pas respecté, bien aimé dans le Seigneur, on t'a déjà dit, voilà, si tu ne respectes pas le contrat, voici ce que tu vas encourir comme peine. 7,5 € de d'amende. Et un mois encore, 15,5 €. Et puis 100 €. Et puis 200 €. Et puis si on trouve ça, saisi. On vient saisir, on va saisir ton salaire. Ou soit, ben, on saisit la maison. La maison sera mise en vente si tu as une maison. Ah ben, c'est pas possible. Oui, c'était la clause qui est mentionnée, n'est-ce pas, dans le contrat. Eh bien, si tu ne respectes pas, on va aller. Et c'est même écrit, hein, les cours et tribunaux de telle juridiction sont compétentes pour nous juger en cas, n'est-ce pas, de non-respect de ces clauses, n'est-ce pas, de ces contrats. Donc, je vous accuserai. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous sommes accusés par les démons, nous sommes accusés par le monde des sorciers, nous sommes accusés par le monde le monde occulte, parce qu'il y a des alliances que nous avons, des paroles que nous avons déclarées, que nous n'avons pas respectées. Et c'est sur base de ça qu'on nous accuse jour et nuit. On dit bien, c'est lui qui les accusait jour et nuit, devant notre Dieu, l'accusateur de nos frères. Ah, c'est comme ça les réunions des sorciers, les occultistes, n'est-ce pas? Mais comment? Non, celui-là, non, c'est pas possible, il n'a pas droit à cela, on voulait quoi? Mais non, on était en train de voir pour qu'il ait le travail, il est allé déposer un contrat à tel endroit. Il dit, ben non, il n'a pas droit au travail. Il a déposé le contrat, non, il n'a pas droit au travail, pourquoi? Ben non, parce que lui, normalement, regarde ce qu'il a fait l'autre fois. C'est pas nous, c'est dans la clause. Ouais, il prie, il dit non, c'est dans la clause de son Dieu.
Rappelez-vous, Daniel, il a été accusé. On a trouvé les raisons où? Dans la loi de son Dieu. C'est là qu'on a trouvé les raisons pour l'accuser. Nous trouvons dans la loi de son Dieu les raisons pour l'accuser. Alors, dès lors que tu as brisé, on n'a rien trouvé pour Daniel. Mais dès lors, supposons maintenant que tu as brisé une clause de l'alliance avec Dieu et le Seigneur. Ah, tu deviens victime des accusations. Tu deviens victime, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, n'est-ce pas? Maintenant, dans les alliances divines aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la réalité reste la même. Pourquoi les alliances divines? Les alliances divines, ce sont des moyens utilisés par Dieu pour véhiculer sa volonté, son dessein, pour l'homme. Ce sont les moyens par lesquels Dieu exprime sa volonté, car Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Les alliances, ce sont les moyens par lesquels Dieu exprime sa volonté, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, bien dans le Seigneur, a un but. Tout ce que Dieu fait a un but. Regardez ce qui est écrit, bien aimé, dans Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28, regardez ce qui est écrit. Lisons la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, bien aimé, a un but. Romains 8, le verset 28. Alléluia. Romains 8, le verset 28. Verset que nous connaissons bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Il disait donc, les moyens utilisés, les buts des alliances bénies dans le Seigneur, les alliances divines, ce sont des moyens, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour véhiculer sa volonté et son dessein pour l'homme. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon Dieu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait tout, n'est-ce pas, bien-aimé, pour un but. Alors, pourquoi on est accusé? Je le reprends encore une fois de plus. On est accusé pour avoir rompu ou brisé les clauses d'une alliance. Notamment un engagement. Notamment une parole qu'on a confessée, une promesse qu'on a faite. Les paroles de la bouche nous lient envers le tiers. Les paroles de notre bouche nous lient envers le tiers. Faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends un exemple, juste un exemple, et nous allons prier. Les paroles de notre bouche nous lient envers le tiers. Fais attention dans la vie, les histoires des promesses, bien-aimés dans le Seigneur. Fais attention. J'avais fait la promesse une fois à un membre de ma famille de lui donner quelque chose. Il y a plusieurs années par là. Et puis bon, à un moment, je me suis dit non, c'est pas utile que je lui donne ça, ça ne sert à rien. Je vais penser à faire autre chose à la place de ce que je lui avais fait comme promesse. J'ai oublié, bien évidemment, le Seigneur. Et puis, c'est passé quelque chose. Un membre de ma famille m'appelle. Il me dit, est-ce que tu as fait une promesse à tel? J'ai dit oui. J'avais dit que j'allais lui donner ça. Il dit, tu renonces à cela. Renonce à cela et donne-lui autre chose que tu as prévu à la place. Parce que cette parole-là te lie. Oh, je me suis dit, ah bon? Il dit, oui, fais attention. Je me suis rendu compte, bien aimé dans le Seigneur, que la personne qui m'avait appelé avait raison. J'ai appelé le membre de la femme, je lui ai dit, non, écoute, j'avais promis de te donner ça. En tout cas, je ne saurais pas. Je ne saurais pas ça. En tout cas, je m'excuse de t'avoir fait cette promesse-là. Ben, je ne saurais pas le faire. Je ne voulais pas me lui faire l'autre promesse, mais j'ai dû réaliser l'autre, mais sans le lui avoir dit au préalable que non, voilà, je vais faire ça pour toi. Dis, en tout cas, malheureusement, je ne saurais pas. Je n'ai pas vraiment les moyens de le faire. C'est dommage, mais en tout cas, excuse-moi, je ne saurais pas le faire. Mais elle m'a dit clairement, tu es lié, fais attention. La personne te lie, la personne t'accuse tous les jours.
que tu lui as promis ça, tu n'as pas donné. Tu lui as promis ça, donc il te lit. La personne t'accuse tout le temps dans le monde occulte. Tu es sujet à des attaques sur le plan spirituel à cause du fait que tu n'as pas accompli la promesse que tu as faite à la personne. Oh, je dis, oh là là. Et c'est dans la parole, bien aimé, que j'ai trouvé finalement. Je dis, ouais, c'est vrai. Nous sommes sujets à des accusations dans le monde spirituel pour n'avoir pas respecté les paroles de notre bouche qui nous lie envers les tiers. Jésus est neuf, bien-aimé dans le Seigneur. Les Gabaonites, bien-aimé dans le Seigneur, ont fait alliance par ruse. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous nous levons contre la ruse. Bien-aimé, Satan, c'est un rusé. Il passe par des... Il nous accuse au travers, n'est-ce pas, des alliances. Il nous laisse faire des alliances. Et après, maintenant, il utilise la ruse pour nous accuser. Il utilise la ruse, bien aimé, pour faire des alliances avec nous. Et après, tu viens nous accuser si il arrivait que nous arrivons à rompre ces alliances-là. Oh, Satan, c'est un rusé. Je vous assure, c'est un rusé. Regardez bien. Lisons la parole de Dieu. Parce que nous sommes, on est habitué hein, à faire une promesse à quelqu'un, tu oublies, tu dis à quelqu'un, tu oublies. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Josué 9. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en dessous du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'au président, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble de commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur âne et de vieilles outres afin d'échirer les cousus. Ils portaient leurs pieds de vieux vêtements, souliers, raccommodés sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils lui dirent, ainsi qu'à tous ces Israélites, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Vous voyez, n'est-ce pas, le Seigneur? Nous venons d'un pays, faites alliance. Bien aimé, les Gabonites dans la Russie, ils connaissaient la valeur de l'alliance. Il connaissait la valeur d'un contrat, d'un vœu, d'un serment. Il connaissait que lorsque ces gens acceptent de faire alliance avec nous, nous, ils sont liés. C'est fini. Et l'alliance, vous pensez que c'est quoi? La parole. L'alliance, c'est tout simplement la parole. Le fait de déclarer. Écoutez bien. Écoutez bien. Faites alliance avec nous. Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi ils ont recouru à la ruse? Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas traiter alliance avec les enfants d'Israël. Ils le savaient. Ils le savaient, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi ils ont eu recours à la ruse. Bien-aimés, Satan, c'est un rusé. Il nous pousse à certaines alliances pour que nous soyons, bien-aimés, victimes. Nous sommes sujets aux accusations jour et nuit. Les accusations seraient pour être détruits. Hein. Satan, n'est-ce pas? Apocalypse 12, le verset 10. Les accusateurs, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait jour et nuit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman Mimi, maman Maria, maman Blandine, soyez bénis. Alléluia. Maman Bita, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Abondant, maman Irène, soyez bénie. Voyez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, ils ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Comment? Ils ont eu recours à la ruse. Les enfants d'Israël prirent leurs provisions et les consultèrent point l'Éternel. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai promis à un membre de la famille sans consulter Dieu que je te donnerai ça. Et c'est un autre homme de la famille qui m'appelle. Il ne savait pas. Je lui dis, il me dit, mais toi, tu as fait promesse à tel. Oui. Il dit, non. Appelle la personne. Renonce à cette promesse-là.
Est-ce que tu vas le faire? Non. J'ai dit non, d'ailleurs, je me suis résolu par rapport à telle situation, je ne le ferai pas. J'ai prévu à la place de faire autre chose par rapport à ce que je lui ai fait comme promesse. Dis non, tu l'appelles, tu renonces la parole, tu lui dis ça. Je renonce à ce que je t'avais fait comme promesse parce que je ne saurais pas le faire. Excuse-moi, renonce à cela. Sinon, tu es lié, la personne t'accuse jour et nuit. Que tu as dit ça, tu ne l'as pas fait. Tu as dit ça, tu ne l'as pas fait. Tu as dit ça, tu ne l'as pas fait. Tu es sujet à des accusations dans le monde occulte. Ils ne consultèrent point l'Éternel. 3 jours après la conclusion de l'alliance, de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël après arrivèrent à leur ville 3 jours après. Le 3e jour, leur ville était Gabaon. Ils se sont rendus compte que non, ils se sont fait flouer. Et tous les chefs dirent à l'assemblée, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël partirent, arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Beeroth, Kirjat, Tseraïm. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Leur avaient juré. Parole avec serment. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Nous ne pouvons les toucher. Les gens jouent avec les histoires ici d'alliance. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. La Bible est si bien, c'est une affaire d'alliance. Vous allez voir que même la bénédiction et la malédiction, bien aimé, c'est lié à l'alliance. Si tu... Moïse, ce grand leader, Moïse, ce grand leader, il fait l'alliance, mais le Seigneur, il connaissait l'alliance avec Dieu, la circoncision. Je dis bien, la circoncision. Moïse. Et Moïse a oublié, bien évidemment, de faire la circoncision d'un de ses enfants. Et qu'est-ce qui arrive, bien aimé? Dieu va l'attaquer la nuit pour le tuer. Donc il était accusé, bien aimé, dans le Seigneur. Il n'a pas fait l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu, bon, Dieu dit, voilà, c'est bon, les gars, ici, bon. Écoute, c'est Dieu qui l'attaque. Hein, pour n'avoir pas respecté les clauses de l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. Je dis bien, c'est Dieu qui l'attaque. Est-ce que vous vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui attaque son serviteur pour n'avoir pas respecté les clauses de l'alliance. Là, vous ne m'avez pas bien suivi, j'ai comme l'impression. C'est Dieu qui l'attaque. Pourquoi? Mais mon gars, ben, tu n'as pas respecté le clause de l'alliance. Je comprends, tu te joues de moi alors. C'est une manière de parler. Hein. J'ai comme l'impression que tu te joues de moi. L'affaire entre moi et toi, dans ces deals-là. Mais c'est la circoncision. Mais comment tu as oublié? Attends, je crois que toi, mon gars, tu mérites la mort. Il dit, tu mérites la mort. Moïse dit, mais attends, mais tu veux me tuer pourquoi? Il dit, ouais, tu veux te tuer parce que tu te moques de moi. Tu as fait alliance avec moi et tu ne respectes pas l'alliance que tu as faite avec moi. Oh là là, jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là. Mais moi, je ne savais pas. Il dit, oui. Tu ne savais pas jusqu'à ce point-là. Il dit, mais tu m'aurais parlé. Il dit, mais tu es censé connaître, hein.
Au moment où tu as scellé l'alliance avec moi, tu es censé connaître, n'est-ce pas? Heureusement, bien-aimé dans le Seigneur, avec une femme, bien-aimée, assez mature, une femme mûre, bien-aimée dans le Seigneur, mature, une femme mûre, qui l'a préservée de ce drame. Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte parfois, bien-aimé, avoir une femme qui est spirituellement mature peut le préserver de beaucoup de drames. Ils sont fiers, arrogants, ne sachant pas que parfois leur survie dépend de la maturité spirituelle de leurs épouses. Qui se privent pour prier pour eux, mais ne prennent pas conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière pour préserver les nôtres. Très sérieux. Attends, regardez. Lisons un peu ce texte. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous lisez comme moi là? L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Regardez bien. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision, l'alliance. N'a pas été respecté. Dit accusation de mort. Il a été accusé de mort, condamné à mort. Par Dieu lui-même. À cause du fait qu'il n'a pas respecté le Seigneur, le clan de l'alliance, la circoncision. Et à combien plus fort dans le monde occulte, lorsque nous ne respectons pas certaines alliances, certaines paroles de notre bouche, bien-aimé, nous sommes condamnés spirituellement parlant. Les enfants des Gabonites, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le clause de l'alliance n'ont pas été respectés par les enfants d'Israël plusieurs années après. On les a laissés. Ils ont vécu avec les enfants d'Israël. Centaines d'années après, bien-aimé dans le Seigneur, Saoul vient et il trouve, mais ces gens ne sont pas comme nous. Ils font quoi au milieu de nous? Oh non, mais à l'époque de Josué, tout ça, ils avaient fait recours à la ruse. Et puis bon, c'est vrai, ils sont au milieu de nous, voilà. On les a dit, mais non, ils n'ont pas le droit d'être au milieu de nous. Ce sont des païens. Allez, tuez-le. Bien-aimé, on a commencé à les tuer. Il y en a qui ont fui, qui sont allés quelque part. Les années sont passées. Saoul est mort. Je dis bien, Saoul est décédé. David devient roi. David devient roi dans 2 Samuel 21. David est roi et puis la famine. Une année. Deux ans. C'est pas bizarre quand même. Trois ans. Non, mais c'est pas possible. 2 Samuel 21, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. L'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait périr les Gabaonites. Wow! Ah bon? Ah oui! Il a fait périr les Gabaonites. Pourquoi? Parce que l'alliance est inviolable, irrévocable. Il révoque une alliance normalement qui était permanente. Une alliance spirituelle et éternelle. Ben, il dit, mais je vais faire quoi, mon Seigneur? Moi, je n'étais pas là. Ouais, tu n'étais pas là. Alors, ça vous suit. Bien-aimé dans le Seigneur. Heureusement, nous avons scellé la meilleure alliance, mais l'alliance qui brise toutes les alliances que nous avions, n'est-ce pas, scellées de par le passé, l'alliance au travail du sang, c'est la seule, bien-aimé, l'alliance par le sang, c'est la seule alliance qui brise toutes les alliances antérieures. Gloire au Seigneur. Heureusement, bien-aimé, Jésus a versé le sang le plus précieux. Écoutez bien, L'histoire avec des Gabonites ici, mais ça fait froid au dos. Regardez l'histoire. Le roi va appeler les Gabonites pour les parler. Ils ne sont plus au milieu de nous. Ils habitent quelque part. Appelez-le qu'ils viennent.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous? Hein? Et il dit bien, avec quoi ferai-je expiation pour que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Eh, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, David a dit que pour que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel, vous bénissiez, attendez, mais ces gens sont des païens. Ce sont des Cananéens, bien-aimé dans le Seigneur. Ou ce qu'on appelle les Éviens. Mais comment ils vont bénir? Donc, ils doivent déclarer une parole de bénédiction. Renoncer à ce que nous leur avons fait par Saoul, par Samuel. Et par Saoul plutôt. Ils doivent renoncer à cela pour nous bénir. Oh, parole seulement. Oui, bien-aimé, parole. Bien-aimé, la parole ici, elle est importante. La parole. Je vous assure, mesdames et messieurs, la parole. La parole. Je vous ai dit tout à l'heure, bénis le Seigneur, l'un des éléments que Satan utilise, la langue. Je vous ai dit les serpents. Satan a pris le corps physique du serpent pour venir tenter Adam et Ève. Et le serpent a la particularité, bien, c'est de sortir la langue, bien, mais pour humer, n'est-ce pas, bien, mais l'air de l'environnement extérieur, afin de savoir s'il y a un danger ou pas. Et la langue, bien aimé, n'est-ce pas, la langue, la parole qui sort de la langue, nous lie beaucoup. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suant tout le corps, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. Jacques 3, le verset 6. La langue, bien aimé dans le Seigneur. Et ils sont venus, n'est-ce pas, venus pour bénir. Il dit non, nous devons être bénis. Il faut bien gérer la langue. Par la langue, nous bénissons. Par la langue, nous maudissons. Par la langue, nous déclarons des choses qui peuvent nous coûter trop cher. Par la langue, nous faisons des vœux, parfois sans réfléchir. Ne fais pas des vœux sans réfléchir. Ne fais pas des promesses sans réfléchir. Ne fais pas, bénédiction de la Seigneur, des promesses sans réfléchir. Tu as fait des promesses à un homme, hein, à une femme. Oh ben, tu sais, nous, on va s'aimer jusqu'à la mort. Hein, on va s'aimer. Dans les amourettes, là, on va s'aimer jusqu'à la mort. Et vous vous séparez, c'est déjà fait. Oh, c'est quand on était des jeunes, hein, c'était des aventures des jeunes. Cette parole bien mettait colle là pour les démons commencent à les réclamer tous les jours. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous allez à tel, tu étais à tel, mais maintenant tu es arrivé à tel, tu es marié maintenant à tel. Oh, ça c'était quand on était enfant. La parole, Satan la prend au sérieux. Et là, tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, Satan veut briser cette alliance. Non, toi normalement, tu es à tel jusqu'à ce que la mort te sépare. Tu avais dit à tel jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais tu n'es plus avec tel. Non, cette la nouvelle alliance ici, elle n'est pas d'accord. Ça doit être brisé parce que toi, tu as tel. C'est jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Saoul a dit non, je vais briser, n'est-ce pas, avec les Gabaonites. Ils n'ont pas le droit d'être au milieu de nous. Dieu a dit non. Pas question. Il a fallu, bien aimé, que les péchés soient expiés. Heureusement, bien aimé, le sang de Jésus est venu expier, n'est-ce pas, le péché. Le sang de Jésus est venu nous libérer, bien aimé, de toutes ces alliances maléfiques, de toutes les promesses insensées. De tous les vœux insensés, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a des promesses qui sont des vœux insensés. Il y a des promesses, bien aimé, des vœux insensés. Je dis bien insensés, je pèse bien le mot. Tu sais que tu ne vas pas accomplir ça, mais tu le dis quand même. Bon, c'est rien. Hein, je le dis comme ça pour blaguer. Hein, comme ça pour blaguer. Hein. Comme ça pour blaguer. Ok, continue à blaguer. Continue à blaguer. Je l'ai fait pour blaguer, oui. Mais le Seigneur, ne fais pas des vœux à la légère.
Ne fais pas, bien-aimé, des vœux à la légère. Ne raconte pas des paroles, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, sans réfléchir. Parce que cela peut te coûter cher plus tard. Bon, soit, on va prier. On va prier, n'est-ce pas? Ok. Peu de temps qu'il nous reste ici, on va prier, bien dans le Seigneur. C'est à la veillée, il nous reste 30 bonnes minutes. Nous allons carburer dans la prière. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé? On a tué les enfants de Saoul. Sept de ses enfants, sept ont été tués. Je pèse les mots, hein. Sept de ses enfants ont été tués. Sept. On les a pendus. Est-ce que vous m'entendez bien? On a pendu sept des enfants de Saoul. On les a pendus. Pourquoi? Parce que David a dit clairement, écoutez, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour expier le péché en Israël? Eh bien, écoute, je vous donne, on va pendre hein, les enfants de Samuel, quoi. Que puis-je faire pour expier le péché? Écoutez, qu'on nous livre sept hommes, bien-aimés. Cette histoire, bien-aimée, est affreuse parce que c'est une affaire d'alliance. C'est vraiment une affaire d'alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Une affaire d'alliance. Et vous regardez, n'est-ce pas, bien-aimé, vous vous rendez compte que dans cette histoire, d'ailleurs même l'alliance en soi, bien-aimé dans le Seigneur, que après avoir fait cela, il a épargné mes fribochettes en disant, toi là, je ne peux pas le faire, je vais faire alliance avec ton père. Ça, c'est David. Dis non, mes fribochettes, sors de cette affaire-là. J'avais fait alliance avec ton père. Non, 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 tu n'as pas droit, mes fribochettes, toi, tu dois être épargné. Tu dois être épargné. Et on a épargné mes fribochettes. Bienvenue dans le Seigneur. On a épargné mes fribochettes. Pourquoi? Parce que, à cause de l'alliance que David avait fait avec qui? Avec Jonathan. En disant que je vais user des bontés envers ta descendance. Regardez bien. David dit au Gabonais, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Heureusement, mais Jésus a versé son sang le plus précieux à la croix pour que nous soyons bénis malgré toutes les clauses que nous avons fait par le passé. Voilà pourquoi c'est donc ça l'on réclame. S'il y a une clause, n'est-ce pas, pour laquelle on nous réclame, on nous accuse. Non, 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 le sang de Jésus crie mieux face à ces accusations-là dans le monde occulte. Le sang ne crie mieux pour lui. Non! On l'accuse de ça. Oui, moi j'ai déjà payé le prix. J'ai déjà payé le prix. Il dit qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et que nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Vous imaginez? Et le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment, à cause du serment, à cause des vœux, les promesses qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Non, 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 pas mes projets. Je suis quelqu'un qui respecte les clauses. Mais tu as accusé dans certains domaines de ta vie parce que tu as fait des vœux, tu n'as pas respecté. Tu vas renoncer à ces vœux-là ce soir. Le Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait tel vœu, je demande pardon ce soir. On m'accuse de part et d'autre. Seigneur, non, Seigneur, pardonne. Jésus a versé son sang à la croix pour moi. Non, je renonce à ces vœux-là. Alléluia. Pas renoncer à ces vœux-là. Oh, merci Seigneur. Ouais. Il a versé son sang à la croix pour nous, n'est-ce pas? Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. En 30 bonnes minutes, nous allons bien-aimés prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Ce soir, c'est pour renoncer, bien-aimés, aux paroles de nos bouches. Élève la voix. D'abord, rends grâce aux bien-aimés qui a versé son sang à la croix. L'Éternel attend, qui a donné son fils à la croix, n'est-ce pas?
pour que nous puissions voir la vie éternelle. Élève la voix, n'est-ce pas, commence à dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Papa, merci d'avoir livré ton fils à la croix pour moi, pour expier mon péché, pour, n'est-ce pas, me libérer, n'est-ce pas, de toutes les clauses, de toutes les alliances, de tout le vœu, de toutes les promesses que j'ai eu à faire à la légère, en insensé, en femme insensée, en homme insensé. Oh, papa, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, merci. Rendons d'abord grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour avoir livré son fils à la croix de Golgotha. Élevons nos voix, bénis, mais rendons grâce au Seigneur. Alléluia, tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ton fils, éternel notre Dieu, qui est mort à la croix pour nous, qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour nous. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Les dieux de grâce, les dieux de bonté, les dieux de miséricorde, les dieux de paix. Seigneur, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang, c'est notre Dieu qui nous a racheté de la même manière de vivre. Le sang qui nous libère, c'est notre Dieu de toutes les promesses, de toutes les clauses, les promesses, les serments, les vœux insensés qu'on a eu à faire dans nos vies tendres, Père, même de manière inconsciente. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci, c'est notre Dieu, pour le sang qui est créé mieux que celui d'Abel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Alléluia. Bien dans le Seigneur, maintenant tu as dit, Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait des vœux insensés. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir... Nous sommes victimes des accusations dans le monde spirituel pour avoir fait des vœux insensés. Pour avoir brisé l'alliance, bien dans le Seigneur. Dans nos clauses, dans nos vœux, bien dans le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je demande pardon d'avoir brisé, de n'avoir pas respecté les clauses de l'alliance, de n'avoir pas respecté les promesses de mes vœux, n'est-ce pas? Je demande pardon de n'avoir pas respecté les promesses que j'ai eu à faire à tel autre. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Seigneur, parfois tu as fait même des promesses, tu as fait des promesses à Dieu. Tu n'as pas respecté ces promesses-là. Demande pardon, Seigneur. Je demande pardon. J'ai fait des promesses que je n'ai pas respectées, Seigneur. Je demande pardon. Tu es victime des exactions. Ce n'est même pas Satan, le diable. Parfois, c'est Dieu lui-même qui t'accuse. Tu n'as pas droit à cela parce que tu m'as fait de vœux que tu n'as pas honoré. Reviens sur toi-même. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Alléluia. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à demander pardon, Seigneur. Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Tu es le Dieu de pardon, s'il te plaît, tendre Père, pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Élève la bénémoine, commence à prier. Élève la voix, n'est-ce pas, bénémoine, implore la miséricorde de Dieu. Les dieux de pardon, il est présent, bénémoine, il est là, bien dans le Seigneur, présent parmi nous. Notre Seigneur, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, nous voici devant toi, éternel, notre Dieu, implorant ton pardon, implorant ta miséricorde. Tu es les dieux de pardon, tu es les dieux de grâce, tu es les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Nous voici, c'est notre Dieu, en ta présence, c'est nous. Nous reconnaissons, tendre Père, que nous avons été insensés. Nous avons fait des vœux insensés, tendre Père. Nous avons fait des promesses, nous avons fait des serments, tendre Père. Les paroles de nos bouches nous lient dans un domaine, dans un autre. Alléluia, pour avoir fait de vœux avec nos bouches, tendre Père, avec nos paroles. S'il te plaît, avoir fait des serments, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est notre Dieu. Nous avons pris des engagements que nous n'avons pas respectés. Nous avons confessé des paroles que nous n'avons pas respectées. Les paroles de notre bouche nous lient parfois envers les tiers. Seigneur, pour n'avoir pas respecté, tendre Père, les clauses de l'Alliance, voilà pourquoi nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Nous nous sommes exposés à Satan, le diable. Nous nous sommes exposés à Satan, le diable, à travers de nos paroles. S'il te plaît, éternel, notre Dieu, nous nous sommes exposés nous-mêmes à Satan, le diable, à travers de nos paroles. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, les dieux de grâce, c'est notre Dieu. Dieu, nous sommes accusés d'avoir rompu et brisé les clous d'une alliance. Nous sommes accusés, alléluia, pour avoir, tendre Père, rompu, c'est notre Dieu, les clauses, alléluia, d'une alliance, pour n'avoir pas respecté le feu, pour n'avoir pas respecté une promesse, tendre Père. Voilà pourquoi nous sommes devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, je fais des vœux insensés pour lesquels je demande pardon ce soir. Seigneur notre Dieu, parfois
de manière inconsciente à des personnes dont même j'ai déjà oublié. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, rappelle-le-moi pour que je puisse y renoncer. Rappelle-le-moi, tendre Père, pour que je puisse y renoncer. J'ai fait des vœux insensés. Je te demande pardon, tendre Père. Je te demande pardon. S'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu, pardonne, Seigneur. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma sœur. Nous sommes là ce soir, tendre Père, pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Nous sommes là ce soir, tendre Père, pour nous rapprocher de toi. Tu nous connais, tendre Père. Nous sommes des hommes. Parfois, nous avons agi en personne insensée. Voilà pourquoi, devant toi, tendre Père, nous reconnaissons, c'est notre Dieu. Nous reconnaissons nos torts. Nous reconnaissons nos fautes. S'il te plaît, papa, alléluia, pardonne-nous. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma sœur. Pardonne ton peuple, pardonne ton église. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous t'appartenons, peuple éternel, Dieu tout-puissant. Nous sommes devant toi pour implorer ta miséricorde. Notre Seigneur, notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne-moi, tendre Père. Nous avons fait des vœux insensés. Voilà pourquoi nous voulons implorer ta miséricorde devant toi, éternel Dieu tout-puissant. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous voici devant toi, implorant ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Père, nous t'adorons, Père, nous t'honorons, Père, nous te célébrons. Père, nous te glorifions. Père, nous te magnifions. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Maître du ciel et de la terre, souviens-toi que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes ton peuple, ô éternel notre Dieu. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Aie pitié de nous, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux d'amour. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour le pardon. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé, tu vas maintenant renoncer à tout vœu. Tu vois, Seigneur, je renonce à tout vœu que j'ai fait, de manière consciente ou inconsciente, Seigneur, le vœu que je n'ai pas su honorer. Seigneur, je renonce, Seigneur. Je renonce, Seigneur notre Dieu, à tout vœu que j'ai fait de manière insensée. Je renonce à toute promesse que j'ai fait de manière insensée. Si tu ne sais pas l'honorer, mais si tu sais l'honorer, bien-aimé, dis, Seigneur, je vais honorer cette promesse-là. Donne-moi la chance, n'est-ce pas, de l'honorer. Si peut-être au travers de cela, bien-aimé, le Seigneur, Dieu te fera du bien. C'est pour ton bien. Tu n'es pas toujours obligé de renoncer. Tu veux dire, Seigneur, notre Dieu, je me rappelle maintenant, j'ai fait telle promesse, je vais l'honorer, Seigneur. Je sais que c'est pour mon bien, je vais l'honorer. Alléluia. Je vais honorer cette promesse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Seigneur, notre Dieu, je renonce. Même, tu vas renoncer aux vœux, n'est-ce pas? Tu vas renoncer aux serments. Tu vas renoncer aux alliances que tu as eu à faire, bien-aimé. Renonce, bien-aimé, à toutes ces alliances par le sang de Dieu. Commence à renoncer, n'est-ce pas, bien-aimé. Tendre Père, nous voici éternel, notre Dieu, devant toi, c'est notre Dieu, implorant ta grâce et ta miséricorde. Je viens renoncer éternel, notre Dieu, aux vœux, Seigneur, aux alliances, aux serments que j'ai eu à faire. Alléluia, de manière insensée. Je renonce au nom puissant de Jésus. Je renonce éternel, Dieu tout-puissant. Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, grand roi de l'univers, merci pour ta grâce et pour ta faveur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Je renonce à ces vœux-là, au nom puissant de Jésus, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, je viens renoncer aux alliances, je viens renoncer aux serments, aux vœux que j'ai eu à prononcer en insensé, que j'ai eu à prononcer sans pour autant se mettre en mesure de les honorer. Je renonce ça se veut, tendre Père, dans les mondes spirituels, face aux hommes, éternel notre Dieu, dans les mondes occultes, je renonce à tout vœu que j'ai eu à faire, même aux personnes qui sont déjà décédées, je renonce au vœu que j'ai eu à faire, éternel notre Dieu, je viens y renoncer par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, je viens, tendre Père, renoncer au vœu que j'ai eu à faire en insensé, s'il te plaît, éternel notre Dieu, pardonne, c'est notre Dieu, j'implore ton pardon et ta miséricorde, je renonce au vœu, c'est notre Dieu, que j'ai fait en insensé, aux promesses, tendre Père, que j'ai faite sans pour autant honorer cela, tendre Père, aux engagements, je renonce, éternel notre Dieu, à certains engagements que j'ai fait en insensé, s'il te plaît, tendre Père, je renonce au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, tendre Père, rappelle-moi, rappelle à mon frère, rappelle à ma soeur,
de vœux, c'est notre Dieu, où nous devons même en citer, alléluia, ceux qui sont, c'est notre important d'être cités en les renonçant. S'il te plaît, tant de paix, rappelle-nous, Seigneur notre Dieu, rappelle-nous, grand roi de l'univers, rappelle-nous, éternel notre Dieu, nous ne voulons pas être sujets à des attaques, à des accusations dans le monde spirituel, à cause des engagements que nous avons pris à la légère, à cause des engagements que nous avons pris, nous avons oublié, c'est notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, éternel notre Dieu, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia, tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant révoquer, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas révoquer, n'est-ce pas, bien-aimé, les malédictions qui pèsent sur ta vie à cause des promesses que tu as faites sans les honorer. Lisez bien la parole de Dieu. Deutéronome 28. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas. Donc tu as fait la promesse et tu n'obéis pas, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Tu as fait la promesse, tu n'obéis pas, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Bien-aimé le Seigneur, et la parole est claire. Parfois, on ne se rend pas compte. Bien-aimé dans le Seigneur. On se lit, bien-aimé dans le Seigneur. Nombre 30, le verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Vous imaginez, mesdames et le Seigneur. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est bien dit, n'est-ce pas, mesdames et le Seigneur. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche, mesdames, que tu n'as pas accompli? Les promesses que tu n'as pas accomplies, bien-aimé le Seigneur. Je voudrais que tu puisses prier, bien-aimé, ce soir pour dire, notre Dieu, je renonce aux engagements. Je renonce, Seigneur. Alléluia. Regardez bien. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti. De la même manière avec Dieu, de la même manière avec les hommes, dans les mondes spirituels, parfois nous sommes liés par les paroles. Pour avoir violé, pour n'avoir pas respecté. Eh bien, il arrive parfois qu'on se plaint maintenant, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi telle situation, ça ne marchait pas, c'est pas possible, mais pourtant, normalement, ça devait passer, pour tout le monde, ça marchait, mais pour moi, Seigneur, je ne comprends rien. Parfois, bien aimé, c'est tout simplement un engagement, bien aimé, que tu n'as pas, une clause. Il y a eu famine pendant 3 ans. Qu'est-ce que David a fait? Il cherchait l'Éternel. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Pourquoi, bien-aimé? Nous ouvrons la porte à la malédiction. Nous ouvrons la porte, bien-aimé, dans le Seigneur, à la sentence de mort, un jugement de mort, accusé. Il n'a pas droit à ceci, il n'a pas droit. Parfois, ce n'est pas que tu vas mourir comme ça, bien-aimé, physiquement. C'est tuer parfois certains de tes projets. Tu es parfois ta destinée. Tu es accusé. Non, non, il n'a pas droit à cela parce qu'il n'a pas respecté tes vœux. Il n'a pas droit, il n'a pas droit parce que. Les accusations venaient pour avoir violé les alliances. Alors, tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je viens révoquer. Tu vas demander pardon. Tu as bien aimé renoncer, mais là tu vas révoquer. Donc tu as regretté, tu as renoncé, mais là tu vas révoquer. Tu as regretté le péché, tu as renoncé à ce péché-là, mais là tu vas le révoquer. Tu vas dire, c'est notre Dieu, je révoque, n'est-ce pas, toutes
les décisions qui ont été prises à cause de ma désobéissance, pour n'avoir pas respecté les clauses, n'est-ce pas, d'un engagement, pour n'avoir pas respecté les paroles de ma bouche, d'un engagement, c'est lequel, Seigneur, je révoque, n'est-ce pas, Seigneur, je révoque la malédiction qui pèse sur ma vie, sur ma famille. Parfois, ce n'est pas seulement sur toi-même, sur ta famille. Tu vas révoquer, bien-aimé, cette malédiction, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas toi, c'est les parents qui ont pris un engagement, bien-aimé, qui sont allés dans les mondes occultes, qui ont fait des vœux. Quelqu'un est allé, bien-aimé, chez un futur dans la famille, a fait des vœux. Il a dit, voici, mes enfants, non, ne vont pas se marier. Moi, donne-moi, j'ai besoin de l'argent. Ah, ça va, on va donner de l'argent. Bien-aimé, il a eu l'argent fou. Il a fait le commerce, un grand commerçant. Mais il est mort et les garçons et les filles dans sa famille n'ont pas droit au mariage. Lui, il est déjà mort. Il fut un grand commerçant. C'est une histoire que j'invente. Hein. Un grand. Et les garçons et les filles n'ont pas droit au mariage. Tout celui qui essaie de se marier, ça finit toujours mal. À cause de quoi, bien-aimé? Il est allé faire une alliance pour qu'il s'enrichisse, mais en livrant, bien-aimé, dans le Seigneur, en hypothéquant le mariage de sa progéniture. Lui n'est plus là. Alors tu vas prépolisser notre Dieu. Je révoque toute malédiction qui pèse sur ma vie. Toute sentence qui pèse sur ma vie, sur ma famille, à cause des engagements qui ont été pris, que ce soit par moi, ou que ce soit par mes parents, mes arrière-grands-parents. Seigneur, je renonce à toutes ces malédictions qui pèsent sur ma vie. Oh non, Seigneur, nous allons proclamer trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'Éternel, de Père. Nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel, notre Dieu, je viens révoquer toute malédiction qui pèse sur ma vie. Je viens révoquer tout décret, c'est notre Dieu. Tout décret qui pèse sur ma vie, qui pèse sur la vie, sur ma famille, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mon frère et de ma soeur. Je viens révoquer ces décrets maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je révoque, tendre Père, les décrets maléfiques. Alléluia, éternel notre Dieu. Alléluia. Qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma famille, qui pèse sur ma destinée, à cause de notre Dieu. Des engagements qui ont été faits par le passé, que par moi-même, ou qui ont été faits à la légère, par mes parents, mes arrière-grands-parents, Tendre Père, je viens révoquer toutes ces malédictions. Je le révoque au nom puissant de Jésus. Par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, je révoque toutes les malédictions qui pèsent sur ma vie, sur ma destinée, sur ma progéniture, à cause des engagements qui ont été faits par les parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons révoquer, tendre Père, toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ qui ont hypothéqué sur notre Dieu les mariages, les destinées qui ont hypothéqué sur notre Dieu les finances qui ont hypothéqué, tendre Père, alléluia, la santé. Nous révoquons sur notre Dieu, nous révoquons toutes ces malédictions au nom puissant par le sang de Jésus. Je viens briser toutes les malédictions qui pèsent sur ma vie à cause des engagements qui ont été scellés dans le monde spirituel par moi-même, par mes parents, mes grands-parents, ainsi de suite, par certains membres de la famille. C'est notre Dieu, je viens révoquer toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Tant de paix, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia, c'est notre Dieu, merci pour ta victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant briser la sentence des morts qui pèse sur toi, bien-aimé, à cause de certains engagements que tu as pris à la légère. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé, les arrières petits-enfants de Saul, bien-aimé, sont morts à cause, n'est-ce pas, du non-respect des engagements par leur grand-père Saoul, alors qu'il était roi, pour avoir brisé l'alliance avec les Gabaonites. Bien-aimé, alléluia, tu vas dire, c'est notre Dieu. Seigneur, je me lève, n'est-ce pas, alléluia, contre la sentence des morts,
pour avoir, n'est-ce pas, brisé l'alliance, à toute forme d'alliance, n'est-ce pas, dans ma vie. Je brise la sentence de mort qui pèse sur moi, sur ma famille, sur ma destinée, pour avoir brisé une cause d'une alliance que j'ai à faire quelque part dans ma vie. Je brise la sentence de mort au nom puissant de Jésus. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons proclamer trois fois, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Je viens briser la sentence des morts qui pèse sur moi, tendre Père. Qui pèse sur ma famille. Pour se retourner, avoir violé l'engagement quelque part, par moi-même, par mes grands-parents, les grands-parents, tendre Père. Même dans ma belle famille, je viens briser, selon de la sentence des morts qui pèse sur mon épouse. À cause de la violation, c'est notre Dieu, la violation d'alliance, alléluia, dans sa famille, par les beaux-parents, par les parents, tendre Père, alléluia, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de grâce, je viens briser la sentence des morts, je viens briser la sentence des morts, au nom puissant de Jésus-Christ, pour n'avoir pas respecté un engagement, je viens briser la sentence des morts qui pèse sur moi, qui pèse sur ma destinée, pour n'avoir pas respecté un engagement, tendre Père, je brise la sentence des morts, au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Que toute sentence de mort qui pèse sur moi pour avoir violé l'engagement, pour n'avoir pas respecté l'engagement, tendre Père, que cette sentence de mort soit brisée, qu'elle soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies, nous élevons la grandeur de ton Seigneur. Nous te proclamons roi, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous brisons la sentence de mort qui pèse sur nos tendres pères, qui pèse sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur notre destinée. Nous brisons la sentence de mort pour n'avoir pas, c'est notre Dieu, alléluia, alléluia, pour n'avoir pas respecté un engagement quelque part. S'il te plaît, tendre Père, nous implorons à cause du sang de Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci. Bien-aimé, par le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé? Le sang de Jésus crie mieux que celui-là. Nous allons briser toutes les accusations, bien-aimé, n'est-ce pas, contre nos vies, à cause du non-respect d'un engagement quelque part, à cause du non-respect d'une promesse, bien-aimé, le Seigneur. Nous allons briser les accusations immunodémoniaques. Nous allons briser toutes les accusations, bien-aimé, le Seigneur. Même dans les tribunaux humains, bien-aimé, tu vas lire les accusations, les condamnations, bien-aimé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On t'accuse pour n'avoir pas respecté un engagement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu t'a justifié, tu as renoncé à cela. Mais si c'est un engagement, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as respecté, non, si tu as une dette d'autre, n'est-ce pas, va payer la dette. Faut pas dire, non, on a pris avec les pasteurs Jean-Paul, on a déjà annulé la dette. Non, non, va payer la dette d'autrui. Si tu dois à quelqu'un, va payer la dette. Hein? Faut pas dire, ouais, voilà, on a pris, on a annulé les engagements, en tout cas, cette dette-là, Jésus l'a déjà payé à la croix. Non, 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 non. Paye la dette d'autrui, va payer la dette. C'est ça aussi le respect. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons briser les accusations, n'est-ce pas? On t'accuse, mais parfois c'est en payant la dette qu'on te libère. Mais non, non. Jésus a payé les dettes, oui, c'est spirituellement parlant. Mais il y a des dettes, bien-aimé, que nous devons payer. Va payer la dette d'autrui. Tu es allé prêter de l'argent, tu as dit que tu allais rendre, et puis oh, après, prêt. Non, non. Jésus a déjà payé par le sang. La dette est déjà payée, je ne paye plus. Non, 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 non. Va payer. Va payer, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles, bien-aimé, Dieu nous laisse payer nos dégâts. Parce que les gens, bien-aimé, qui sont emprisonnés, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus est venu libérer les captifs, n'est-ce pas? Si tu acceptes Jésus en prison, tu seras toujours en prison. À moins peut-être qu'il fasse un miracle particulier pour qu'on te fasse sortir. Mais sinon, tu es toujours en prison. Tu paies les conséquences. Donc nous allons élever nos voix pour le Seigneur. Nous allons toutes les accusations occultes, les accusations maléfiques portées contre nous à cause du non-respect des engagements. Je dis, mais les accusations maléfiques, tu vas annuler ces accusations.
Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous annulons toutes les accusations occultes et notre Dieu portées contre nous dans le monde spirituel à cause du non-respect sur notre Dieu des engagements. Nous brisons toutes ces accusations occultes maléfiques au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la grâce et de la faveur. Éternel notre Dieu, nous proclamons ton règne, ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Tendre Père, lève-toi, c'est notre Dieu, en faveur, en notre faveur. Lève-toi, tendre Père, en faveur de ton peuple. Nous venons, éternel notre Dieu, alléluia, à briser toutes les accusations portées contre nous par le sang de Jésus, parce que le sang de Dieu crie mieux que celui d'Abel, que les accusations portées contre nous, les accusations maléfiques portées contre nous, nous les annulons, nous les déclarons, nous les non-avenus, sans effet, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour alléluia, la victoire de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus crie en notre faveur, tendre Père, merci. Alors nous proclamons la victoire de l'homme. Mais commence à proclamer, n'est-ce pas, la victoire du sang de Jésus dans ta vie, n'est-ce pas? Proclame la victoire du sang de Jésus, n'est-ce pas? Proclame la couverture du sang de Jésus, n'est-ce pas? À l'honneur de Jésus. Alors attendre, Père, lève la voix, n'est-ce pas, bien. Commence à proclamer, n'est-ce pas, bien. Commence à déclarer, n'est-ce pas, les paroles. Alléluia. Tendre Père, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la Nouvelle Alliance. Merci pour le sang qui nous libère. Le sang au travers duquel nous crions Abba Père. Nous sommes plus que vainqueurs, tendre Père, à travers le sang de la Nouvelle Alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ta faveur. Merci grand roi de l'univers pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu grand et redoutable. Merci Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci éternel notre Dieu pour ton amour. Merci grand roi de l'univers pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci éternel notre Dieu pour tes bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous te couronnons, roi éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Oh notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, ton règne au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi les grands rois, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier pour ceux qui sont malades, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons recommander ceux qui sont malades entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour notre sœur Laetitia, nous allons demander, n'est-ce pas, qu'une grande grâce. La grâce est reposée sur nos bien-aimés qui sont malades. Que Dieu déverse sa grâce sur nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier pour notre sœur Laetitia. Nous allons bien-aimés prier pour maman Fifi. Nous allons bien-aimés prier pour papa Didier, papa Nico. Nous allons bien-aimés prier, n'est-ce pas, pour maman Joséphine. Nous allons bien-aimés prier que Dieu leur accorde sa grâce. Notre Dieu, bien-aimés, c'est un Dieu de grâce. Que Dieu accoffe, que Dieu fasse grâce à toutes les personnes malades au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas, et prions le ciel. Alors, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous implorons ta grâce et notre Dieu dans la vie de notre sœur Laetitia, ta grâce et ta miséricorde dans la vie éternelle de notre Dieu, maman Fifi, ta grâce et ta miséricorde dans la vie de maman Albertine, ta grâce et ta miséricorde dans la vie de papa Didier, dans la vie de papa Nico, dans la vie de maman Joséphine. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, ta victoire au nom puissant de Jésus, ta grâce et ta miséricorde, les dieux de paix, les dieux
Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi des nouvelles. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, n'est-ce pas, dans nos vies. Nous arrivons à la fin. Il est 2h04. C'est la veille aujourd'hui. On termine à 2h. Rendons grâce. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, tendre Père, pour ta victoire dans nos vies éternelles, notre Dieu, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta faveur, merci éternel notre Dieu, merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons, alléluia, éternel notre Dieu, merci, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent au nom puissant de Jésus. Et t'entamer les grâces sur nos vies. Merci de nous avoir exaucés, de nous avoir entendus au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que mon Seigneur et mon Dieu, bien-aimé, vous couvre de sa grâce, qu'il vous protège. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si tu as fait un vœu quelque part, bien-aimé, renonce, bien-aimé, dans le physique. Tu as fait une promesse à quelqu'un, tu trouves que tu n'es pas à mesure. Dis-le, malheureusement, je ne suis pas à mesure. En tout cas, ou soit, je le ferai en temps opportun. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé, dans le Seigneur. À très bientôt. Hein. On continue notre challenge. Hein. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Dormez bien, reposez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, n'est-ce pas? Que Dieu se révèle à vous. Je vous aime, à bientôt, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.